Ok, est-ce que tu as en tête, par exemple, l'effectif de Caribbean, pendant que tu as parlé là, est-ce que vous rappelez de tout le même si il y a quelqu'un qui parle là encore qui... Certainement. Ok, vas-y. Certainement. Ce sera long. Est-ce que vous n'y informez bon, les musiciens les plus d'Acadio réguliers pendant tout le temps? Non, il n'y a pas de problème. Parce que quand même, Abdi Caribbean 6-7 commençait la même bonne. Et la décision a été prise le 28 décembre 76. Yes. Et c'est parce que c'est à la suite. Et alors, on t'a parlé de Robert Martin tout à l'heure. Jean-Jean Larac avec Alex Covington, tu es un petit groupe avec Robert Martin, donc tu es les Bueno Sunshine qui t'es un joli boulé. Bon, par la suite, dissolution de ce petit groupe. Et puis, c'est comme ça, moi-même, je suis rentré en Haïti. Et puis, je me dis, Jean-Jean, bon, finalement, je suis rentré en Haïti. Donc, voici. Voici le plan, mais ça m'a ça, m'a suggéré que nous montons un groupe. Okay. Et nous allons en tout, nous avons le Caribbean Quintet, nous avons le Sextet. Okay. Parce que New York, nous avons un groupe qui était le Caribbean Quartet avant d'entrer en Haïti. Okay. Bon, bref, pour aller plus vite, et c'est comme ça que moi-même, je viens de commencer avec Jean-Jean, Toto, Alex, bon, Alex est venu rejoindre nous en janvier, et à la fin du mois de janvier. Et sur l'époque carnaval, c'est graphiste, il était un petit genre. Activité. C'est activité. Yeah. Bon, yeah. Par la suite, Boulot est arrivé après. Hein, Boulot n'est pas arrivé tout de suite. Ah bon? Boulot est arrivé peut-être 5 ou 6 mois après. Tu as commencé avec Toto alors? Toto était à la guitare. Toto ne chantait pas? Non, non, non. Okay. Donc, pas du tout. Il y avait comme chanteur, il était un Kiki Coupette. Donc, okay. ça me prendrait trop de temps pour moi, parler de tout le monde, oui, mais en gros, maintenant, Boulot vient joindre nous par la suite. Ensuite, Gagui est arrivé encore le 3 juillet 1977, nous avons Dingeling, et puis c'est à partir de là que nous commençons vraiment à recruter l'autre monde, Jacques Fatier vini, nous recruter Tic Claude Marcelin et Arius, bon. Et tant d'autres. Ça, quand même, tout ça, il parle pas un bon temps. Oui, oui, tout à fait. Et il y a eu quand même des musiciens de grand talent qui passaient dans le groupe là. Et donc, j'aime dire, si je cite une et l'autre là, oui, bah, même changer tout. Même brave les connaissances. Tout à fait, pour faire créer jalousie. Bon, bon, peut-être pas jalousie, mais. Oui, oui, tout à fait, je comprends. Ouais. Laisse-moi lui dire, Réginal, L'autre, par exemple, APC, you know, intégrer l'autre monde, est-ce que c'est à la suite de perte de musiciens ou du moins rendement que musiciens qui ont gagné ou pas de cabas ou qui ont besoin et puis après quitter l'autre monde? Mon cher, au coin que je suis un chef d'entreprise, je suis un commerçant, et je ne suis pas. Je me dis révoquer, mais disons que je ne suis pas séparé du monde facile. Okay. C'est-à-dire que quel que soit musicien ou bien quel que soit employeur, je vais toujours essayer au maximum. Donc, quand il y a un côté monde lui-même, ou bien il décide qu'il parti, tel a été le cas pour plusieurs musiciens qui parti, Eddie Brissot à New York, et Rénal Valmé, qui vient de Tabou Combo, il a joué avec nous tous, une partie. Jacques Fatih vient quitter le pays. Hein. Bon, bref, en fin de compte, ça qui est arrivé, c'est ou bien que le musicien, pour des raisons professionnelles, il dit que l'a stoppé, tel est le cas d'Alex Covington, qui dit bon, ils vont au stade, que qu'on a le temps de vivre, camper. Donc à ce moment-là, il a été remplacé par Joe Charles, et ainsi de suite. Joe Charles vient aller, remplacé par Barbeau. Ouais. Donc, il n'y a jamais eu, d'accord, de situation côté comme Nadoula. Obligé d'évoquer suite à alors, moi, je me dis que c'est pareil. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais, c'est pareil. Il n'y a jamais eu ce. Bon, autant que je me songe, je me rappelle d'une situation similaire de ce genre. Ok. Lors de recruter Boulot, par exemple, est-ce que vous avez cherché un bagage qu'on n'a pas de cage dans l'ancien chanteur côté? Non, Boulot. Tu avais Boulot et tu avais aussi Lionel Benjamin, c'est ça? Non, Lionel, c'est pas la suite. Lionel, c'est peut-être 2 ou 3 ans, peut-être même après Boulot.
et pas après Boulot, enfin, pendant que Boulot était là. Non, c'est pas ça. Boulot est arrivé à un moment que Toto, lui-même, qui était comme guitariste, te font crise d'hépatite. Ok. Et il fallait continuer à jouer. Et à jouer. Donc, finalement, comme Boulot, c'était un mec que me fait vivre ma joie avec lui, New York, pas de ce genre. Donc, et automatiquement, ça t'est passé en tête, mais c'est d'appeler Boulot qui okay. connaissait quand même en grande partie, en fait, ma musique. Et on va pas dire le répertoire du Caribbean, mais mm-hmm. disons ce genre de musique. Donc, donc c'est comme ça que Boulot vini comme guitariste d'abord. Et puis, n'est-ce qu'on chantait, il y a des Kiki Koubet qui était lui-même à son tour quitté Haïti, mm-hmm. remplacé par un qui était le Tarzan. Alors, monsieur, vrai nom, je sais, Fran, je dis, quoi. Ok. M. Tarzan, il était chanté dans Zotobré, un groupe qui n'a pas fait longtemps. Le monde en Haïti, le groupe s'est joué, Mount Kibo. Mais M. Canada, mon gars. Ok. Et puis, donc, c'est comme ça, Boulot. M. vient de partir au Canada, justement, et puis Boulot. Boulot intégré. Boulot, oui. Boulot est arrivé peut-être, bon, disons, vers mars et, ou avril 77. Ok, un an après, là. Non, pas un an, parce que j'aime, c'était le 28 décembre 76. Ok. Quelques mois. L'idée, voilà, l'idée de mettre sur pied un groupe, c'est à partir de là. Ok, alors, deux ou trois mois, décembre, janvier, février, mars, ok, quatre mois, mm-hmm. exactement. On a salué Biggie Auguste qui gonchou dans Miami, qui a fait une belle bagarre avec DYS. Compliment, monsieur, keep up the good work. Ok, comment nous t'es créé musique? Est-ce que c'est vous-même seul ou du moins vous faites collectivement? Très bonne question. Bon, finalement, ouais, on va détendre. Obligé. Bon, en fait, moi, je crois que. Bon, le groupe, en fait, commencé. Première composition que tu as faite, c'était moi qui t'ai fait. Qui passe sur disque, littéralement, les tripotailles. Okay. D'ailleurs, c'est. Voir Boulot paraître là-dedans, mais comme background. C'était Tarzan qui t'a chanté. Okay. Tarzan, alors, il n'a pas l'eau là. Et deuxième musique, son musique qu'on a composée pour Madame, on dit que c'est Dominique, qui était un petit succès vraiment à l'époque. Et ensuite. Ma jeune nuit là. Bon, probablement. Okay. Et ensuite, que j'aime donner Boulot et son nez qui ont imagination fertile, c'est-à-dire mm-hmm. son nez qui vraiment. Mm-hmm. qui ont une spontanéité. Donc, ça veut dire que cette combinaison là marchait bien parce que okay. nous étions nous. Vraiment, et composé, et des fois, nous t'étions très souvent rencontrés nous sur un pile et aspect d'arrangement, okay. et orchestré par Gary, évidemment, qui rempli un rôle très important dans le groupe-là. Oh, ça veut dire que quand mm-hmm. l'offre est composé, mm-hmm. c'est pas au arrangé, ou bien l'offre est arrangé? Non, m'arranger musique, mais à 80%. Évidemment, mais qu'on n'y a pas oublié que l'offre est musique de danse, gagner des suggestions au niveau de briques, parce que les briques ils ont venu carrément des éléments qui font partie de, même de la musique de danse haïtienne. Tout à fait. Donc finalement, ça va être un bandeau, donc il y a eu échange, il y a eu suggestion, et à ce moment-là, je crois que tout le monde était impliqué dans l'aspect ça. Mais arrangement de base, ça veut dire conception musicale là, et le plus souvent t'es venu de compositeur, hein? Parce que moi-même personnellement toujours pour moi-même composer en musique aussi important que arranger musique, hein? Parce que moun soit ben l'autre moun arranger li cap pas aller dans le sens que tout à fait et en même temps il cap rendre meilleur. Tout à fait. Donc c'est à ce niveau là que nous t'étions et évoluer. Okay. Ouais. Ça veut dire que tu composes la chanson à 80%, tu fais l'arrangement et si on est dans le groupe là qui cap. Oui, nous t'es ouvert à suggestion. Okay. C'est pas une affaire de carrément de dictature quoi. Non, tout à fait. Mais et ça c'était pour Caribbean Z. Mais par la suite, oui, dans mes projets solo, tout ce qui est arrivé après depuis 1989. Toute plaque que je fais, oui, c'est moi qui fais l'arrangement. Tout à fait. Et maintenant, nous pour une chère live là. Chère live là, grand pile monde qui a regardé là. Continuez chère live là sur Facebook. Faites travail nous.
parce que il faut que ça arrive dans aurait beaucoup plus de monde que possible. Tes projets solo, original Polycarpio, yo subtilement différent de projet caribéen. Ça fait ça. Bon, eh bien, c'est... Par contre, tu es d'accord? Non, tout à fait. Moi, c'est voulu, parce que quand même, et Caribbean Six, c'était un groupe de musiciens qui gagnaient au même tour. Et même, comment on appelle ça? Au fait, je ne parle pas de gens même... comment dire ça? Même programme musical, voilà. Je ne peux pas dire tout le même programme, et chaque monde finalement a aimé, il m'a exprimé à sa manière. Mm-hmm. Mais disons que il fallait penser groupe, et non penser et solo. Donc, lorsque c'est groupe, là, on est obligé d'aller dans. Si pas gagner et collectif ça, hein, ou pas un groupe, ou pas gagner tout simplement un monde qui a joué. Donc, c'est orchestre, mon livre, il y a ça. Et qu'on y a, en termes de solo, artiste solo, oui, le Sahara, définitivement. Et, mais ça, on voulait faire. Et c'est moi qui produis. Et 90% de l'album, en fait, surtout les 10 derniers albums, tout c'est moi qui produis, composé, arrangé. Parce que, bon, c'est ma petite passion. Tout à fait.